C'est con quand même, on avait trouvé un autre jour. Professor, it's working. No. Yeah. Yeah. Okay. On yeah, peut yeah, commencer. Yeah, yeah. Everybody can say. Tu vois avec les interprètes. Laurent, on va peut-être fermer les micros pour ceux qui ne parlent pas. Bien, on peut commencer là. Oui. Bonjour à tous. Le webinaire commence ou c'est bon? Vous nous recevez 5 sur 5. Il dit vas-y, Hervé, il dit vas-y. Bien, parfait. Bonjour à tous. Nous saisissons cette opportunité de fin de confinement, si j'ose dire, pour malgré tout disposer d'un peu de temps pour discuter. Le propos du jour, c'est pas uniquement en lien avec la crise du Covid, même si on verra qu'il y a quand même une relation, mais ça sera pour la fin de ce webinaire. Donc la thématique, c'est la prise en charge du fibrome. Vous savez que c'est une pathologie fréquente, probablement la pathologie la plus fréquente de la femme. Et l'idée générale, c'est d'essayer d'élargir le panel de la prise en charge des traitements de façon à essayer d'être le moins agressif possible. Ce qui est intéressant, c'est que cette thématique, elle est guidée par des chirurgiens avec l'idée générale qu'il faut peut-être opérer le moins possible. Voilà pourquoi nous sommes associés à l'équipe chinoise qui commercialise les ultrasons focalisés. Vous savez probablement que, paradoxalement, ce n'est pas encore commercialisé en France ou utilisable en France. C'est la raison pour laquelle la société de chirurgie pelvienne, dont les trois représentants français du jour sont membres, avons une action auprès du ministère et auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie pour essayer, dans les semaines et mois qui viennent, d'avoir une nomenclature qui nous permettra de mettre à disposition de nos patientes ces thérapeutiques qui sont probablement moins agressives, ce qui est tout à fait important pour une pathologie où les femmes ont des désirs de grossesse de plus en plus tardifs et il faut faire attention à ce que l'acte opératoire ne puisse pas être délétère. Donc ce webinaire, on va être 4 discutants, 4 présentations. C'est un webinaire international puisque on a le plaisir d'accueillir David Cranston, qui est professeur à Oxford, qui a l'expérience britannique de l'utilisation des ultrasons focalisés et qui a permis d'ailleurs au NICE de définir clairement la place des ultrasons focalisés dans la stratégie de prise en charge du fibrome. Il sera le dernier à parler puisqu'il aura une expérience pratique à nous montrer. Et nous trois, donc moi-même en premier qui va simplement montrer la place de la prise en charge du fibrome en France, Philippe Descamps qui parlera de l'IFU dans le fibrome et Gilles Dubernard de l'IFU dans la adénomyose, qui est une pathologie qui n'est pas la même bien sûr que le fibrome mais qui est souvent associée au fibrome, même si elle peut être également indépendante et qui peut correspondre à cette prise en charge. Donc l'originalité comme ce symposium est international, c'est que les Français vont parler en français avec des diapositives en anglais et David Cranston parlera en anglais bien sûr, mais les diapositives seront en français. Les questions eh bien, seront potentiellement traduites, mais elles seront j'espère le plus complet possible pour que vous sortiez de cette réunion en ayant les idées claires. Donc, je vais demander ma première diapositive. Merci. Donc, comme vous le voyez, donc les représentants pour cet IFU sont la société de chirurgie pelvienne, la société chinoise IFU et Twin Healthcare, qui est notre partenaire important pour essayer d'implanter en France ce dispositif. Suivante. Diapositive suivante. Voilà. La place du fibrome, c'est important. On sait que
50% des femmes caucasiennes ont des fibromes, 80% des femmes afro-caribéennes ont des fibromes, mais il n'y aura qu'un tiers des femmes qui auront un fibrome symptomatique et qui nécessiteront une prise en charge médico-chirurgicale. Ce qui veut donc dire que le premier traitement du fibrome, c'est l'abstention. Alors, on connaît le lien avec l'hérédité, on sait que la fréquence du fibrome est multipliée par 2 avec un risque relatif à 2 lorsqu'il y a une première ou une deuxième génération présentant cette pathologie, et ça reste la première cause d'hystérectomie en France. Donc, on est dans des situations où c'est des pathologies suffisamment importantes pour avoir l'agressivité chirurgicale complète. Suivante. Donc, les fibromes, vous savez que depuis 2011, on utilise la nouvelle classification de la FIGO. Vous avez les fibromes de 0 à 5 qui peuvent s'exprimer par un saignement. 5, quand ils sont isolément 5, non, mais ils sont fréquemment associés à des fibromes qui font issue un peu dans la cavité utérine et un peu à l'extérieur. Voilà pourquoi on les nomme, par exemple, 2-5, comme vous pouvez voir sur ces figures. Par contre, les fibromes 5-6-7 n'entraînent aucun saignement, sont responsables de douleurs, de nécrobiose, de compression des organes de voisinage avec la gêne que ça peut créer. Ça, c'est donc la classification FIGO. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 10 ans, elle a été très largement répandue. Elle est utilisée maintenant aussi bien par les gynécologues que les radiologues, ce qui facilite quand même le dialogue. Et puis, dans le même temps, il y a eu en 2011 une autre classification de la FIGO qui s'appelle Pan-Cohen, qui est là le déterminisme étiologique des saignements d'origine utérine qui peuvent être soit organiques, et c'est les palmes, soit fonctionnel et c'est le Cohen. Il n'y aura pas de traduction parce que c'est un acronyme anglo-saxon. Et donc, quand une femme vous consulte pour saignement, vous pouvez utiliser ce Palm-Cohen pour savoir quelle est l'origine. Et puis, bien sûr, pour en faire le diagnostic, on est en 2020, on va utiliser l'échographie 3D, éventuellement favorisée par l'utilisation de la sonographie de manière à optimiser l'imagerie des myomes intracavitaires ou ayant une part de leur diamètre dans la cavité. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout 0, 1 ou 2, parfois 3, on est à la limite, et puis les situations 2, 5, quand il y a deux développements des fibromes vers la cavité ou vers l'extérieur. La suivante. Les symptômes sont multiples, c'est la fatigue, c'est les désordres digestifs souvent causés par les compressions soit de l'intestin, soit de la vessie en avant, les douleurs en rapport soit avec le volume, soit surtout avec des modifications vasculaires, donc responsables de ce qu'on appelle les nécrobioses. Il y a bien évidemment les saignements, donc dans les nouvelles classifications de Palm-Cohen, ils sont notés AUB-M. AUB, c'est le abnormal uterine bleeding, et M, parce que c'est en rapport avec myome, qui peuvent être responsables d'anémie, qui vont se manifester par tout la cortège des symptômes qu'il ne faudra pas oublier de demander aux femmes. Et puis l'infertilité, les causes sont multifactorielles. Le lien avec les fibromes peut être estimé entre 5 et 10%. Ce qui est important de voir, c'est que c'est devenu l'utilisation d'un nouveau terme qui est une insécurité menstruelle en raison de la gêne créée par ces fibromes. Et sociologiquement, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les difficultés qu'éprouvent les femmes au quotidien. Suivante. Globalement, sur une enquête qu'on avait réalisée avec Ipsos, on sait qu'une femme sur 10 entre 30 et 55 ans a un fibrome symptomatique. Et ces fibromes symptomatiques vont altérer significativement la vie des patientes pour 2/3. Et ça, on l'utilise car vous savez qu'en médecine et en gynécologie en particulier, on utilise de plus en plus des scores validés. Et donc, dans le cas particulier, c'est les scores de qualité de vie. Et on voit que dans 2/3 des cas, il y a une vraie altération de modérée à très importante. Mais qui est un élément à prendre en compte pour qualifier la maladie fibromateuse comme vraiment une maladie
de société qui altère la qualité de vie compte tenu de sa fréquence suivante. Alors, quand on va regarder la prise en charge des fibromes, vous voyez, il y a plein d'interventions possibles qui vont du radical, l'hystérectomie, à des interventions beaucoup plus simples, hein, comme l'hystéroscopie opératoire ou l'hémiomectomie. Mais vous voyez qu'en gros, il y a entre 40 000 à 45 000 femmes qui vont passer dans un bloc opératoire par an pour avoir une chirurgie du fibrome. Et j'exclus dans cette prise en charge l'embolisation, mais je vais en parler après. Suivante. Alors, comment traiter ces fibromes utérins? Il y a trois stratégies. En premier, médical, où on peut utiliser des hormones. Les progestatifs sont utilisés, mais uniquement quand il y a une hypertrophie de l'endomètre, mais ce n'est pas un traitement du fibrome. Les seuls traitements du fibrome, c'est soit un traitement préopératoire, et c'est le rôle des agonistes et maintenant des antagonistes qui arrivent sur le marché. Mais dans le cas particulier, contrairement à l'endométriose ou à l'adénomyose, on ne peut pas ajouter une ad-bac-thérapie parce que sinon on n'aura pas d'efficacité sur le fibrome. On peut utiliser les SPRM et l'ulipristal. Vous savez qu'en ce moment, c'est mis entre parenthèses en raison de problèmes hépatiques, mais qui représente 1 pour 100 000 accidents. Donc, c'est par rapport à la chirurgie marginale. En deuxième intention, vous avez la place de la chirurgie, l'hémiomectomie, qu'elle soit réalisée en hystéroscopie, en célioscopie ou en laparotomie. Et en dernier recours, l'hystérectomie, là aussi avec trois voies d'abord, même quatre voies d'abord avec le robot maintenant, donc vaginale, célio ou laparotomie. Et puis apparaissent les thérapeuties non chirurgicales qui sont l'embolisation. L'embolisation, c'est très efficace, en particulier pour les patientes qui saignent, également pour les patientes douloureuses, mais avec la seule particularité qu'on ne peut le proposer que quand il n'y a plus de désir de grossesse, ce qui veut dire que c'est la question principale à poser à une patiente de première intention. Et puis, c'est la place des ultrasons focalisés, donc que l'on peut faire là dans des circonstances où il y a un désir de grossesse, ce qui veut donc dire que dans toute cette organisation médicale, dans tout ce panel dont je parlais en introduction, l'élément principal, c'est souhaitez-vous garder ou pas vos possibilités de grossesse. En fonction de la réponse, eh bien, on va aller à gauche ou à droite, mais on va voir sur les tableaux suivants. Alors, pourquoi les chirurgiens se posent des questions? Parce que la chirurgie radicale, ça a une mortalité, vous voyez, entre 150 pour 100 000 aux États-Unis ou 20 à 40 pour 100 000 en France, et une morbidité liée aux complications hémorragiques, d'infections, thromboemboliques, qui représentent 2 à 2000 pour 100 000 femmes, que ce soit morbidité liée à l'hystérectomie ou à la myomectomie. Suivante. Donc, comment traite-t-on les patientes? C'est la discussion qu'on va avoir. Lorsqu'il y a un fibrome donc purement intracavitaire, donc 0, 1 ou 2, soit il est d'un volume qui ne pose pas de problème et on va faire une simple résection hystéroscopique. Lorsque le fibrome fait plus de 3 cm ou associé à une anémie, et on évite actuellement d'opérer les patientes avec une anémie, on va proposer un traitement préopératoire, que ce soit SPRM, si on peut les réutiliser, ou agoniste ou antagoniste. Et là, soit le fibrome disparaît complètement et on ne fera rien, et puis voilà, soit on va faciliter la réalisation d'une hystéroscopie pour la myomectomie, soit peut-être on va être amené à discuter la place des ultrasons focalisés, même si c'est peut-être pas, mais là on verra avec les présentations suivantes, l'indication principale. Suivante. Ensuite, on a les patientes qui ont les autres fibromes, donc de 2 à 6, avec un désir de grossesse, où là on peut commencer par un traitement pré-médical, où là il va être efficace ou pas efficace du tout. Et lorsque ce n'est pas efficace du tout, avant de se précipiter vers une indication opératoire, a fortiori, comme les patientes ont un désir de grossesse, on ne peut pas introduire la notion d'utilisation d'embolisation, c'est là qu'on va discuter la place des ultrasons focalisés. Suivante. Quand il n'y a pas de désir de grossesse, là, on peut traiter au long cours par des SPRM si c'est possible. Les résultats en population ont montré que c'était efficace. Donc, sous réserve là d'une morbidité que je vous ai dit de 1 pour 100 000, donc vous comparez bien la morbidité respective avec la chirurgie en particulier. Mais sinon, lorsque les réponses ne seront pas bonnes à ces traitements
où les patientes ne veulent pas ces traitements, où il y a des contre-indications à ces traitements, c'est là que va se poser les questions de la place de la chirurgie par rapport à des prises en charge non chirurgicales qui sont l'embolisation. Elles n'ont plus de désir de grossesse, donc c'est tout à fait réalisable. Les ultrasons focalisés et peut-être la radiofréquence, où on est peut-être là encore moins développé que les ultrasons focalisés, qui seront en tout cas des évolutions dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Suivante. Voilà, donc c'est une introduction comment on prend en charge en France avec les moyens qu'on a actuellement les fibromes. Maintenant, on va aller un peu plus en avant pour voir la place réelle, qui est le thème de notre réunion de ce soir, des ultrasons focalisés, que l'on mettra bien évidemment en relation avec la prise en charge médicale, la prise en charge chirurgicale, la prise en charge radiologique. Et dans nos propos sur l'utilisation des ultrasons focalisés, même si ce soir ce sont des gynécologues qui vous parlent, les radiologues pourront être tout à fait partie prenante sur l'utilisation des ultrasons focalisés. Donc, je passe la parole à Philippe, Philippe Descamps, donc, qui est chef de service à Angers, qui est vice-président de la Société de chirurgie pelvienne. Donc, Philippe, à toi. Pour les questions, je passe la parole à Philippe. On les fera probablement à la fin de nos 4 présentations, puisque chacun pourra intervenir sur l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas par le chat à développer ces questions. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette session. Je remercie bien sûr la SCGP, la Société IFU, et puis les différents orateurs et notamment David Cranston, qui est une star de la chirurgie à Oxford et en Angleterre. Donc, je le remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais également remercier, outre Gilles et Hervé, avec lesquels on travaille à faire reconnaître cette technologie en France auprès du ministère. Et ça fait de nombreux mois qu'on y travaille. C'est assez compliqué. Le docteur Jordi Rodriguez, qui travaille à Barcelone et qui m'a confié quelques diapositives parce que, évidemment, nous n'avons aucune expérience en France et je ne peux vous donner aucun résultat personnel. Donc, avec son autorisation, je présenterai ces résultats à la clinique Mutua Terrassa à Barcelone. Et puis, bien sûr, mes collègues chirurgiens avec qui je travaille au quotidien. La suivante. Donc, je ne reprends pas cette diapo, Hervé l'a présentée, mais on a vu la fréquence des fibromes, leur importance, leur incidence, puisqu'ils représentent la première indication d'hystérectomie en France, la suivante. Et on a tous connaissance de tous les traitements actuels dont on peut disposer, que ce soit les traitements chirurgicaux, que ce soit l'embolisation. Et je rappelle que l'embolisation doit être réservée à des patientes qui n'ont pas de projet de grossesse. Et puis les autres techniques par voie hystéroscopique, célioscopique, que ce soit la myomectomie, etc. On passe à la suivante. Donc, on parle des ultrasons focalisés. Beaucoup de collègues ne connaissent pas cette technique. Donc, de quoi va-t-on parler ? La suivante. Donc, c'est une technique, c'est une vieille histoire, puisque vous voyez que c'est une technique qui a plus de 20 ans, qui a été inventée en Chine par des ingénieurs et des médecins et qui s'est développée avec différentes applications et notamment dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le traitement des fibromes depuis 2002. Donc, vous voyez que c'est une technologie qui est utilisée depuis plus de 18 ans dans cette indication. Il y a eu l'agrément de la FDA en 2004, il y a le marquage CE et on estime que plusieurs dizaines de milliers de patientes ont été traitées pour des fibromes avec cette technique. La suivante. Alors, vous voyez qu'il y a 227 IFU centers dans le monde. Donc, on est très notablement en retard avec un marquage CE qui a été donné en 2010, donc il y a 10 ans. Et quand vous regardez la carte du monde, alors il y a bien sûr une prédominance de cette technologie en Asie, mais quand vous voyez la carte du monde, plusieurs pays européens utilisent cette technique et des voisins très proches que sont bien sûr l'Angleterre, David va nous en parler, mais aussi l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. La suivante. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple, c'est des ultrasons comme les ultrasons qu'on utilise pour voir un bébé dans le ventre d'une maman, mais qui vont se croiser et au moment de leur croisement, eh bien, ils vont produire une énergie qui va nécroser les cellules. Et on estime que c'est une énergie, au moment du croisement des deux faisceaux, qui est 10 000 fois supérieure au faisceau d'ultrasons conventionnel. La suivante. Donc, vous voyez ici
Le principe, donc on a un faisceau d'ultrasons qui va émaner d'une source qui est placée sous la patiente. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que les faisceaux d'ultrasons peuvent traverser les organes d'une façon tout à fait sécuritaire. Ils ne deviennent agressifs, ils entraînent une nécrose et une myolyse que quand ils se croisent et qu'ils se rencontrent. Donc c'est une technique en temps réel, sous contrôle échographique. Oui, la suivante, merci. Et donc c'est au moment du croisement que l'on a une hyperthermie, que l'on a un phénomène de cavitation et une nécrose ischémique. La suivante. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est ça. La suivante, c'est un petit film qui vous montre la safety de la technique. Donc, vous voyez, là, on a l'appareil qui va émettre les ultrasons qui se croisent sur cette plaque en verre, comme pour les frottis. Donc, vous voyez qu'on fait plusieurs impacts et on va avoir effectivement une chaleur et une destruction. Et vous voyez que quand on passe la main, eh bien, il n'y a aucune blessure. Pourquoi? Parce que les deux faisceaux ne sont pas rencontrés. On est sur le trajet des deux faisceaux d'ultrasons, ils ne se sont pas rencontrés. Et donc, on a une sécurité totale. C'est très, très important, bien sûr, pour nous, pour la prise en charge des fibromes en fonction de leur topographie. La suivante. Voilà, donc c'est la suivante. Les problèmes de safety ayant été exposés, comment est-ce que l'on procède? Vous voyez que la patiente est allongée avec une fenêtre sur son ventre et le faisceau d'ultrasons va arriver par en dessous et va se croiser. La suivante. Donc, elle est allongée, on l'a dit, elle a une sonde urinaire, elle a un petit coussin qu'on peut remplir d'eau pour faire modifier la position du fibrome en fonction de la pénétration des ultrasons. Et puis, elle a une sédation, mais pas une anesthésie générale, car il faut qu'elle puisse réagir à la douleur, notamment dans la partie postérieure du fibrome, c'est-à-dire que si l'on va un petit peu trop loin, il faut qu'elle puisse le signaler. La suivante. Alors, j'ai eu la chance d'aller en Chine et de voir cette technologie. Donc, voyez l'installation sur la table qui est percée, les faisceaux d'ultrasons arrivent en dessous. Si on peut recliquer, vous allez voir donc, sur le fibrome que l'on voit en vision échographique, eh bien, les ultrasons vont donc arriver, se croiser et nécroser. Alors, c'est une technique qui est en fonction du volume, qui est un petit peu, c'est pas très excitant parce qu'il faut faire plein de petits spots, plein de petits tirs, mais ça marche remarquablement bien. La diapositive suivante, donc je pense que vous avez bien compris l'installation, vous avez bien compris la safety. Et on installe une perfusion de syntocinon pour diminuer la vascularisation des fibromes. Et ce qui est très important, c'est qu'on instille aussi un produit de contraste pour améliorer la visualisation du fibrome. On commence toujours en arrière du fibrome, la partie la plus postérieure, et l'on revient. On va le voir dans la diapositive suivante. Voilà, donc vous voyez ce petit film en haut à gauche que j'ai fait avec mon iPhone en Chine. Donc l'opératrice, la patiente est installée, vous la voyez là en photo en haut à droite. Et on va zoomer sur l'écran, donc il y a un écran, c'est un joystick, hein, on a une souris. Et vous voyez que quand c'est vert, il n'y a pas de tir, donc elle va se préparer. Vous allez voir apparaître un point rouge, là elle est en train de tirer, ça dure 2 à 3 secondes, puis on décale un tout petit peu le curseur. Si vous regardez, vous voyez qu'en arrière, il y a une zone plus grise, la partie postérieure du fibrome a déjà été traitée, et on voit la nécrose, et on voit donc la modification d'échogénicité du fibrome. Donc ça a l'air très simple, il faut quand même une quarantaine de procédures pour apprendre à le faire, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est redoutablement efficace. La diapositive suivante. Alors, bien sûr, il y a le conflit avec l'IRM. Vous savez qu'en France, on a eu 200 centres qui ont développé cette technique, Tours et puis Bordeaux, qui continuent à effectuer des traitements par ultrasons sous contrôle IRM. La suivante, la question de l'IRM, c'est sûrement, bien sûr, une technique un petit peu plus précise au niveau de l'imagerie, mais bien sûr, ça impose d'immobiliser un appareil d'IRM. Il y a forcément un radiologiste, alors pour les ultrasons, ça peut être un radiologiste, Hervé l'a dit, mais ça peut être un gynécologue, la suivante. Et donc, il y a un panel d'opérateurs plus important et ça permet de ne pas immobiliser l'appareil d'IRM. Alors, les indications en gynécologie, on va vous parler aujourd'hui des fibromes, Gilles va vous parler de l'adénomyose, mais il y a aussi des publications dans le placenta accreta, dans le cancer du sein, dans les fibroadénomes. L'endométriose rectale, c'est un autre appareil, vous savez que c'est Gilles le référent en France pour cette technique, mais aussi l'endométriose pariétale et les grossesses ismiques, tout ça a été publié avec de bons résultats. La suivante, donc on va se concentrer sur les fibromes. Donc vous avez compris que c'était une technique qui n'est pas invasive, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de bistouri. C'est rapide, en gros, c'est entre 1 heure et 2 heures selon le nombre et le volume des fibromes. Les patientes sont pour la plupart traitées en ambulatoire et il y a un très faible taux de complications. Je vais vous montrer ensuite la série de Jordi Rodriguez. La suivante.
Voilà, donc je l'ai dit, il faut à peu près 40 procédures pour être autonome et la société chinoise assure la formation, c'est-à-dire que les gens intéressés soit vont en Chine et ils sont coachés pendant une durée déterminée de 15 jours à 3 semaines, il y en a énormément en Chine de procédures, soit un médecin chinois vient dans votre centre et vous tient la main. La suivante. Donc les résultats, eh bien, c'est l'étude du NICE qui a été publiée en juillet 2019. Qui annonce dans une méta-analyse 50% de régression spontanée, de régression significative, excusez-moi, à 3 mois, 66% à 6 mois et 80% à 2 ans, avec un taux de complication extrêmement rare, avec des brûlures cutanées moins de 1% et des perforations intestinales de 0,4%. Donc, vous voyez que par rapport aux chiffres que nous a donné Hervé tout à l'heure sur les complications de la chirurgie, on est bien en deçà et c'est bien tout le débat et c'est bien pour ça. Comme Hervé l'a très bien dit tout à l'heure, que des chirurgiens s'intéressent à cette technique parce que notre métier, c'est de rendre service à nos patientes et de leur fournir la technologie la plus adéquate pour prendre en charge leur pathologie. La suivante. Donc ça, c'est la série de Jordi Rodriguez qui est en photo là, qui est un collègue absolument charmant qu'on avait invité au congrès de la SCGP, d'ailleurs, à Lille l'année dernière. Donc vous voyez, il a repris une série sur 10 ans, il a 630 patientes qui présentaient des fibromes. La suivante, donc typique avec ménorragie, signe de compression. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pu faire ce traitement par IFU chez 95% des patients, donc la plupart des indications posées étaient les bonnes. Il y a eu chez une patiente sur 5 la nécessité de faire 2 séances et le traitement a été un succès dans 70% des cas et il y a eu une chirurgie secondaire dans 32% des cas. Le débat, il est là, il est de dire que vu l'innocuité du traitement, vu l'absence de complications, vu le fait que les patientes restent seulement une journée, eh bien, bien sûr, on commence par un IFU, puis si ça ne marche pas, il est toujours temps de faire la chirurgie qui aurait été faite dans tous les cas. La suivante. Alors, vous voyez, les complications sont très, très minimes avec des brûlures cutanées, des hématuries. C'est vraiment extrêmement minime et ça correspond aux données du NICE qui ont été publiées en juillet 2019. La suivante. Donc, merci à Jordi pour ces diapos. Vous voyez qu'il y a un pourcentage de réintervention dans la littérature, quelle que soit la technique, et ça, on le sait bien. On sait très bien, quand on fait une myomectomie, on peut être amené à réopérer quelques années plus tard. On sait très bien qu'avec l'embolisation, il y a des réinterventions. Donc, le côté deuxième intervention ou chirurgie secondaire ne doit pas freiner dans le développement de la technique. La suivante. Là, il y a le problème de la grossesse. On a dit tout à l'heure que l'embolisation n'était pas une bonne option chez des patientes qui ont un désir de grossesse. Et on sait aussi que l'âge de la grossesse se décale et qu'on a de nombreuses patientes qui ont des fibromes et qui ont un projet de grossesse. Donc, c'est un problème quotidien pour nous. Et vous voyez qu'il y a plusieurs publications qui ont colligé des grossesses après IFU. Le message, il est très simple. Il n'y a aucune complication obstétricale. Il y a un développement fœtal normal. C'est bien compréhensible. Il y a une myolyse du fibrome. Donc, il est bien normal de penser que la grossesse ne va pas être entachée. Il n'y a pas plus de placenta à crêta. Il n'y a pas plus de rupture utérine. Il n'y a pas plus de césarienne. Donc, vraiment, feu vert pour une grossesse ultérieure. La suivante. Voilà, alors les sociétés savantes se sont progressivement intéressées à la question. La suivante, le collège dès 2012 avait. Écrit quel IFU. La suivante. Voilà, donc en disant que c'était une technique qu'il fallait évaluer, c'est normal, c'était il y a 8 ans, il n'y avait pas les publications d'aujourd'hui. La Société européenne de ménopause et d'andropause s'était prononcée aussi. La suivante, on passe parce que tout ça, c'est l'histoire ancienne. Nos collègues québécois, dont certains sont là aujourd'hui, je le sais, ont publié en 2015 des recommandations en disant qu'il fallait plus de data. Et bien sûr, la suivante, les recommandations du NICE sont les recommandations les plus importantes, publiées en juillet 2019 et recommandant l'utilisation de l'IFU. Donc, je vais peut-être passer rapidement sur les suivantes parce que je sais que David Cranston va en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il a participé à cette aventure. Voilà la suivante. Voilà, donc la question pour nous qui sommes des chirurgiens, c'est une fois qu'on aura réglé ces tout petits problèmes administratifs qui sont la reconnaissance en France de cette technique avec une cotation pour que cet acte puisse être introduit et remboursé dans notre pratique courante, est-ce que ça va vraiment changer notre pratique? La suivante.
Eh bien, vous voyez qu'au vu de ce que je vous ai présenté, il y a un avantage pour le chirurgien, bien sûr, parce que c'est une technique qui permet une ablation précise de la lésion, qui permet la préservation des organes en n'étant pas agressif, notamment chez des patientes qui ont un désir de procréer, et puis qui permet de restaurer la fonction de l'organe en diminuant la taille du fibrome. La suivante. Alors, le chirurgien, bien sûr, mais la patiente, bien sûr, vous voyez, elle a une myomectomie sur l'écran de droite, et eh bien, on sait tous que quand on opère, il y a des cicatrices, on sait tous qu'on peut avoir des complications hémorragiques, on peut avoir des complications nécessitant une reprise, une anesthésie générale quand on fait des celluloscopies, et là, on voit que eh bien, les patientes sortent le soir même dans 98% des cas, et donc on aura une préservation de la fertilité. La suivante. Voilà, donc sur le plan des finances, c'est un appareil bien sûr qui n'est pas donné, mais effectivement il est rapidement remboursé puisque c'est une chirurgie qui se fait, je l'ai dit, en ambulatoire dans l'immense majorité des cas et que bien sûr on va réfléchir à une diminution des dépenses publiques avec une reprise du travail beaucoup plus rapide et donc le bilan financier est plutôt positif. Et je vous rappelle qu'en Allemagne par exemple, ce sont les caisses qui ont acheté les appareils DIFU en disant nous, on a fait deux colonnes et on a démontré que ça serait plus rentable pour nous financièrement, indépendamment de l'intérêt pour les patientes. La suivante. Voilà, donc en conclusion, vous avez compris que c'est une technique non invasive, que on a une littérature, on a 20 ans de retard quand même. Moi, quand je suis rentré de Chine, où j'avais été complètement par hasard, au hasard d'un jumelage de mon hôpital, et j'ai découvert cette technique, je me suis dit, c'est quand même hallucinant, aux portes de notre pays, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, on utilise l'AIFU et pas nous. Intéressant pour les patientes, chirurgie ambulatoire, enfin traitement ambulatoire, pardon, préservation de la fertilité. Alors bien sûr que quand on va se mettre dans cette technologie, il va falloir bien discuter avec nos collègues des indications du type de fibrome, etc. Ça, c'est une évidence. Mais on est très aidé pour ça par les recommandations de NICE qui ont fait le job et qui ont analysé la littérature. La suivante. Donc un petit remerciement à Jordi Rodriguez et l'équipe qui travaille en France pour l'implantation de l'AIFU. Bon, vous reconnaissez Jérôme Estévez, Gilles et Hervé, et puis Jordi qui est là avec nous. Ça, c'était pendant le congrès de la SCGP à Lille, après sa communication. Et la suivante, et puis un petit clin d'œil aussi à l'équipe avec laquelle je travaille, qui ont une PMA, une positive mental attitude, et qui permettent bien sûr le travail clinique quotidien et universitaire. La suivante. Je vous remercie pour votre attention. On répondra bien sûr, comme l'a dit Hervé, aux questions globalement après tous les topos et on traduira éventuellement les réponses de David Cranston. Merci beaucoup. Merci Philippe de cette présentation claire de la situation que nous devons affronter pour essayer d'implanter ce traitement en France. Donc j'ai passé la parole à Gilles Dubernard, membre de la SCGP, qui a l'expérience, lui, de l'AIFU dans l'endométriose, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, il va vous parler des ultrasons focalisés pour l'adénomyose. Je vais juste faire une petite parenthèse à la technique parce que j'ai eu quelques infos. Il semblerait, je reste au conditionnel, que les diapos sont un peu floues via YouTube. Donc, je ne sais pas si c'est juste une personne ou s'il y a, y a plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça? Donc, c'est juste une question. Gilles, je te passe la parole. Merci de ta présence et Merci. nous t'écoutons. Merci Hervé. Jérôme, il faudrait me mettre la première diapositive, s'il te plaît. La première. Donc, en introduction, d'abord, je voulais remercier effectivement Hervé et Philippe de m'avoir proposé de traiter cette thématique, car effectivement, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et j'avoue qu'en préparant le topo, on a vraiment envie de se lancer dans la prise en charge de l'adénomyose et pas uniquement dans la prise en charge des fibromes. Je voulais aussi remercier Jérôme Estévez pour l'organisation et la société AIFU pour également le soutien dans l'organisation de ce webinaire. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, il est fondamental, comme pour les fibromes, d'avoir une caractérisation extrêmement précise de l'adénomyose avant de se lancer dans un traitement. Mais ça, je veux dire, c'est valable pour tout type de prise en charge, chirurgicale ou autre. On ne se lance pas en chirurgie sans savoir exactement ce qu'on va y faire. Est-ce que diapositive suivante?
Voilà, alors donc ce qui est très important, donc l'adénomyose, on le sait, c'est, pour moi, je pense qu'il y a une bonne partie de l'adénomyose qui est en fait assez physiologique, qui est une évolution un petit peu naturelle de l'utérus, mais on sait très bien que malheureusement, un bon nombre de patientes, et notamment les patientes souffrant d'endométriose, vont avoir des formes sévères d'adénomyose et parfois très précoces. Alors, il y a de très nombreuses classifications, c'est peut-être pas très lisible, mais sur la gauche, dans une publication récente, vous avez l'ensemble des classifications de l'adénomyose et elles sont essentiellement basées, ces classifications, sur la profondeur d'invasion sous-muqueuse, moins de 50% de l'épaisseur du myomètre, plus de 50% de l'épaisseur, le degré d'envahissement, c'est-à-dire en fait le nombre de glandes endométriales présentes au niveau du myomètre, 3 à 9, supérieur ou égal à 10 glandes. La configuration, est-ce que c'est une adénomyose qui est diffuse ou est-ce que c'est une adénomyose qui est localisée, focale, comme on peut également l'appeler. Il y a aussi l'aspect péropératoire avec un aspect… Alors ça, je dirais que c'est pour un chirurgien assez rare de décrire l'adénomyose comme ça, mais enfin, il y a des classifications, des formes scléreuses, des formes nodulaires, des formes kystiques. Et puis enfin, bien sûr, des classifications basées sur l'histologie. Next. Suivante. Alors, l'adénomyose, elle est souvent classée en fonction de l'atteinte, et en IRM, de l'atteinte de la zone de jonction. Et nous, dans nos RCP, endométriose, on a souvent des discussions avec nos collègues radiologues qui tiennent compte surtout de l'épaisseur de la zone de jonction, pas trop de l'épaisseur du myomètre. Et c'est toujours des discussions parce que nous, en échographie, je dirais que c'est un petit peu une autre approche que l'on peut avoir. Et je vous ai mis cette classification IRM, elle est assez intéressante parce qu'on peut voir donc les stades 1B qui est un épaississement diffus de la zone de jonction par rapport à l'aspect 1A qui est un aspect subnormal. Le type 2, c'est des zones de jonction qui sont difficiles à explorer, soit par des artefacts, soit par la présence de fibromes. Et les types 3 sont plus intéressants dans cette classification toujours de la zone de jonction en IRM, c'est la présence de lésions kystiques dans la zone de jonction. C'est le 3A. Le 3B, la présence d'invagination en doigt de gant. Et 3C, un épaississement focal de la zone de jonction. Ça, c'est visible et décrit en IRM. Si je peux avoir la diapositive suivante. L'échographie 3D, comme l'a dit très bien Hervé en introduction, peut nous aider nous apporte, ce qui est bien fait, et notamment avec la coupe coronale et les différents modes de rendu que l'on peut avoir, une caractérisation très précise de cette adénomyose. Regardez ces petites invaginations en haut à gauche, qui correspondent à un petit 3B en haut à gauche, le mode finger-like, enfin le mode render mode. On peut avoir un épaississement, vous voyez en bas à droite, le stade 3C, un épaississement focal de la zone de jonction. On peut avoir une forme kystique qui correspond à un stade 3A en haut à droite et l'adénomyose diffuse, toujours en coupe coronale, en coupe épaisse. Et vous voyez à droite les coupes scanners classiques qu'on peut avoir en échographie maintenant 3D. Suivante. La classification échographique, elle est intéressante puisqu'elle est un petit peu, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus riche en sémiologie que ce qui est classiquement décrit en IRM. L'augmentation, et on va prendre différents paramètres, c'est l'augmentation du volume de l'utérus, l'aspect hétérogène du myomètre, la présence de kystes au niveau du myomètre, l'aspect d'un myomètre qui est un utérus qui apparaît strié. Le SES, c'est donc une striation de la zone de jonction. Et puis, le dernier point qui intervient, c'est la définition de la jonction endomètre-myomètre. Donc, c'est ces éléments qui sont intéressants. Mais il faut rester honnête. Et si on regarde cette publication récente, on montre quand même que la sensibilité échographique reste quand même relativement modérée avec deux ou trois critères, que ce soit l'augmentation de la taille de l'utérus, que ce soit l'exploration et la définition précise de la jonction endomètre-myomètre, une sensibilité de 39%. Par contre, une spécificité qui est élevée, c'est-à-dire que si votre échographie est normale, en gros, vous pouvez éliminer l'adénomyose. Donc, si vous avez une échographie normale, on ne va pas plus loin. Si vous avez une adénomyose et que vous envisagez éventuellement un traitement,
un traitement chirurgical pour nous en France, ou plus tard, nous avons tous un traitement par IFU. Il faudra évidemment passer par un examen complémentaire qui pourra être une IRM. IRM qui, je vous rappelle, comme, va nous aider à guider le traitement par ultrason, qui est actuellement le plus souvent réalisé sous contrôle échographique. Fusion IRM avec contrôle échographique, avec traitement sous échographie. La suivante. On va passer assez vite sur cette diapositive, mais sachez qu'il y a une classification, j'ai voulu vous la mettre, parce que c'est, je crois, important que l'échographie prend une place de plus en plus importante en gynécologie grâce à la 3D, et sachez qu'il y a une classification de la l'adénomyose. Je pense que si vous avez quelques minutes au cours de ce long week-end, penchez-vous dessus, et c'est intéressant parce que vous avez quand même Marc Bazot qui a participé à cette classification, et Marc Bazot est quand même une référence française dans l'imagerie de l'endométriose et de l'adénomyose. Donc, je pense qu'il faut savoir se pencher sur cette explication, ça peut être intéressant. Alors, on va passer à, donc, à la diapo suivante et au résultat dans le traitement de l'adénomyose. Ce que l'on actuellement est capable de réaliser, le traitement de l'adénomyose interne, donc, qui apparaît le plus souvent après 40 ans, c'est cette évolution un petit peu physiologique de l'utérus au cours de avec l'âge, avançant. On peut proposer, c'est des recommandations, le stérilet au niveau d'orgestrel, c'est une option en première intention. On peut proposer les analogues de la GNRH, dans un expérience, c'est très peu de cas. Et puis, bien sûr, l'endométrectomie, en par radiofréquence, avec d'excellents résultats sur l'adénomyose et les douleurs quand l'adénomyose est débutante et interne. Pour les adénomyoses focales, on peut proposer des résections hystéroscopiques. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui la réalisent, Hervé sans aucun doute et Philippe. C'est des chirurgies assez ciblées, assez spécifiques et peu développées à l'heure actuelle en France. Des résections laparoscopiques peuvent être proposées sur les techniques postérieures. Et puis, bien sûr, sur ces formes focalisées, on va le voir, les ultrasons focalisés à haute intensité. Et il y a des résultats très intéressants sur ces appareils focales. L'adénomyose diffuse, il y a des publications sur l'embolisation des artères utérines avec des résultats qui sont assez décevants parce qu'effectivement, en fait, cette vascularisation est diffuse. Elle est pas comme pour un fibrome où on a cette vascularisation qui part le plus souvent de la pellicule et donc on peut les obstruer assez facilement avec la radiologie interventionnelle. Là, les vaisseaux sont trop petits et on a et même plus de dégâts possible sur l'endomètre, puisqu'on va risquer une nécrose endométriale, voire aussi des insuffisances ovariennes. Donc, l'embolisation dans les artères utérines, dans l'adénomyose diffuse, a des résultats assez décevants. Suivante. Alors, quels sont les résultats du traitement par ultrason focalisé à haute intensité avec guidage échographique dans le traitement de l'adénomyose? Une des premières publications que j'ai retrouvées, et les publications, comme vous l'avez pu voir dans les précédentes présentations, sont essentiellement d'origine chinoise, car ils ont une véritable expérience, une expertise dans le domaine, et ils ont un nombre de patients important. Donc, clairement, cela explique que la biblio soit essentiellement chinoise. Je vous ai mis des publications dans des revues de l'essentiel de rang A, donc qui ont une vraie fiabilité. Première publication en 2011 sur le traitement de l'adénomyose, 69 patientes, et on voit que ce qui est important, c'est sur les fichiers d'IRM, c'est l'IRM pré et post-traitement et l'estimation de la déperfusion de la zone traitée adénomyosique. Et vous voyez que dans la première, il y a 9 patientes qui n'ont pas eu de modification à l'imagerie, et parmi ces 9 patientes, 6 ont présenté une amélioration, 4 complètes et 2 minimes, et 3 patientes n'ont pas eu d'amélioration. Ensuite, une diminution de 50% de la vascularisation dans la zone adénomyosique chez 13 patientes. 10 patientes ont présenté une amélioration complète chez 3 patients, partielle chez 4 et 3 mineurs, et puis 3 patientes n'ont pas eu d'amélioration. Et si on regarde la déperfusion supérieure à 50%, 47% des patients traités, on a 46% des patientes qui ont été améliorées par la procédure, 20 complètes, 22 partiellement et 4 mineures. Donc, on voit que cet élément est important et qu'il semble y avoir une corrélation entre le pourcentage de déperfusion
de la zone traitée et l'efficacité. Prochaine diapo. Alors, est-ce qu'il y a eu des complications sur cette première série? On voit qu'il y avait 22 patientes qui ont présenté des complications, et il y a eu 27 complications décrites, c'est-à-dire que certaines femmes ont présenté deux complications. Ça, c'est les classifications, ce n'est pas la classification de Clavien et d'Indo, comme on connaît tous en chirurgie, c'est la classification des complications de la Société internationale de radiologie. Mais ça correspond, si on regarde les complications de type A, 23 patientes, et la majorité des patientes ont présenté ces complications qui n'ont pas nécessité de surveillance et qui n'ont eu de traitement et qui n'ont eu aucune surveillance et aucune conséquence future. C'est essentiellement des pertes vaginales, des douleurs abdominales au bas-ventre, des difficultés, des dysuries post-traitement, des douleurs périanales, des hématuries et des douleurs au niveau des membres inférieurs et épisodes de vomissement. Et toutes ces complications sont mineures par rapport à ce qu'on peut observer à l'issue des chirurgies. Et puis, on a eu quand même 4 patientes qui ont décrit des complications de type B, mais là encore, pas de gestes interventionnels, pas de thérapie active, hein, comme on peut voir dans les complications plus sévères. Et c'était essentiellement des rougeurs ou des cloques cutanées, des troubles de la sensibilité périnéale et des douleurs abdominales plus marquées. Suivant. L'équipe de Mauricio Abrao, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui fait référence dans le domaine de l'endométriose et qui a un centre réputé à Sao Paulo, a fait une méta-analyse et il est parti de 155 études et a basé son méta-analyse sur 8 études publiées. Et donc, cette publication est récente dans le journal of Minimally Invasive Gynecology. Et donc, on voit que les durées de traitement sont quand même, c'est un élément important, courte. On parle vraiment de la durée sur la table de traitement. Et je vous rappelle, c'est fait sous anesthésie avec simplement une neurolepte. Et donc, on a une durée de traitement qui va de 82 minutes à 100 minutes. Et la sémication, c'est ce que disait Philippe, c'est le temps de traitement où on va focaliser les ultrasons et vraiment le temps de traitement. Et vous voyez, en secondes, on va d'à peu près 971 secondes à peu près, donc en gros, c'est entre 15 minutes, 20, 25 minutes, 30 minutes maximum de sémication. Avec, vous voyez, le temps de préparation sur mise en place sur la table, un temps globalement assez court pour traiter ces fibromes. Si vous regardez le ratio de dévascularisation, on est globalement, vous voyez, 34, 71, 57. On est au-delà de, pour bon nombre de séries, au-delà de 50%. Et l'énergie, j'ai demandé à Cyril Lafont qui dirige l'INSERM, c'était difficile pour lui de préciser l'énergie utilisée comme ça sur ce tableau-là. Et donc, vous voyez, un traitement qui est assez court, un traitement effectif, la sémication, qui est également très bref. Et puis, une dévascularisation qui apparaît tout à fait satisfaisante au vu de ces séries. Suivante. Les résultats ont montré à 12 mois une diminution significative du volume de l'utérus. Et vous voyez, on est à 0,85. Et à chaque fois sur ces tableaux, vous regarderez l'étendue de l'intervalle de confiance, 0,73, 0,96. Vous voyez, l'intervalle de confiance est très, très restreint, qui montre la puissance de ces résultats. Donc, à 12 mois, on a une diminution significative du volume de l'utérus. Suivante. En ce qui concerne les dysménorrhées et les saignements anormaux, là encore, regardez, on a une très nette amélioration tout à fait significative dès 3 mois des symptômes et qui va, et c'est très classique dans le traitement par IFU, s'améliorer à 12 mois. C'est-à-dire que vous délivrez l'énergie et à partir du moment où le traitement est en place, la dévascularisation va se poursuivre dans les suites. Et c'est ce qu'on a observé, nous, sur les ultrasons sur le rectum. On avait des patientes qui avaient une amélioration qui est apparue et qui s'est consolidée avec le temps. Donc, ce n'est pas surprenant d'avoir une amélioration qui s'améliore avec le temps dans les 3 à 6 mois qui suivent le traitement. Suivante. En ce qui concerne la qualité de vie, même observation, amélioration significative de la qualité de vie dès le 6e mois
Et dès le 12e mois, et là encore, regardez les intervalles de confiance, ils sont extrêmement serrés autour de la valeur. Donc, on a une très nette et de façon très significative amélioration de la qualité de vie. Suivante. Les complications, c'est sur plus de 1700 patients hein, dans cette méta-analyse. Et là encore, vous voyez les complications de type B, qui sont essentiellement des brûlures cutanées, 2,4%. Qui peuvent être diminués par l'utilisation d'une autre à 5-6 degrés pour essayer de diminuer justement la brûlure de la paroi. Mais ce qui est probablement le facteur de risque, on verra un peu plus loin, c'est l'épaisseur de la paroi cutanée. Donc les patients qui ont un gros panicule adipeux sous-cutané sont probablement des candidats qui sont plus à risque de développer des brûlures cutanées. Et autrement dit, les complications, on les a vues précédemment, c'est essentiellement des douleurs abdominales dans 21% des cas. Un inconfort dans la région de traitement, 12% des cas, perte vaginale, douleurs sacrées ou des hanches, des douleurs superficielles, comme on l'a dit, et puis des douleurs au niveau des membres inférieurs et des hématuries minérales. Suivante. Suivante. Merci, Adam. Ensuite, en ce qui concerne donc les résultats, donc on a des éléments qui sont intéressants. Vous voyez qu'à 36 mois, on a 73% de résultats favorables. Et ce qui semble influencer les résultats, c'est essentiellement l'âge. Et vous voyez, ce qui est une assez bonne surprise, l'âge supérieur à 40 ans, alors qu'on peut se dire que l'adénomyose est plus développée, montre des résultats qui sont significativement supérieurs à avant 40 ans. On verra comment on peut optimiser peut-être les choses autrement. Et puis, bien sûr, toujours cet élément important qui est ce volume, ce ratio de déperfusion de la zone de traitement. Et regardez les clichés en bas à gauche, les clichés d'échographie qui sont très hyper-échogènes, c'est sous Sonoview. Et puis, on voit que le traitement est guidé par le Sonoview. On voit cette zone diffuse d'adénomyose. Et puis, on voit la zone de dévascularisation sur le cliché de droite qui apparaît en noir. Donc, les IFUS sont guidés, la précision du traitement et la qualité du traitement est vraiment guidée par l'utilisation du Sonoview. En ce qui concerne le ratio de dévascularisation, dans cette étude, il montrait qu'un ratio de 39% était le cut-off et au-delà de 39%, on avait des résultats qui étaient tout à fait intéressants. Vous voyez, 89% de patients qui avaient une amélioration de la symptomatologie, en dessous de 13%. De dévascularisation, on avait des patients d'un taux de succès qui était inférieur à 62%. Donc, vous voyez que cet élément de dévascularisation est un facteur prédictif du résultat du traitement. Suivante. Alors, est-ce que ça a un intérêt économique? Évaluation médico-économique, 100 IFU pour adénomyose, 66 hystérectomies. En ce qui concerne l'évaluation de la symptomatologie et de la qualité de vie des patientes, vous voyez dans les deux groupes, que ce soit IFU et hystérectomie, une amélioration significative de la symptomatologie à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois, ce qui est très intéressant. Donc, vous voyez que ça persiste dans le temps et pas de différence significative aussi entre les deux groupes, respectivement. Et le coût de la procédure est significativement inférieur dans le traitement IFU par rapport à l'hystérectomie. On voit un coût global de 1 839 $, ça c'était en 2012, et contre 2 027 $, en hystérectomie. Évidemment, c'est un traitement en ambulatoire, il n'y a pas, et par rapport à la chirurgie, même si on a réduit considérablement les délais de hospitalisation, le coût est évidemment plus important quand on garde une patiente de 24-48 heures hospitalisée. Suivant. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible d'augmenter l'efficacité et de prédire l'augmentation de l'efficacité d'un traitement par ultrason de l'adénomyose? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, en préopératoire, il est probablement possible, et ça, c'est déjà décrit sur les fibromes, d'améliorer de prédire l'amélioration. Il y a le volume de l'adénomyose, évidemment, une très diffuse, on aura peut-être moins de chances de succès. L'épaisseur de la paroi cutanée, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, il y a le ratio adénomyose-myomètre, le ratio d'épaisseur respective, adénomyose-myomètre. Et puis, il y a un facteur radiologique qui est exactement le même qui est décrit pour les fibromes, c'est le 4-France ratio décrit par le radiologue à l'IRM, et donc qui traduit en fait la vascularisation du fibrome. On sait que quand on a de l'adénomyose, comme pour le fibrome,
quand l'adénomyose est très vascularisée, et ça, Jordi Rodriguez nous l'avait bien dit, les résultats sont moins bons parce qu'on est obligé d'augmenter. Il y a un refroidissement en fait, qui se fait localement par la vascularisation. Et donc, du coup, on est obligé d'augmenter l'intensité du traitement. Et donc, on augmente le risque pour les patientes et les résultats sont moins bons. Donc, prédire le degré de vascularisation de l'adénomyose en préopératoire est probablement un élément intéressant et l'IRM peut nous aider là-dessus. Suivant. En préopératoire, je vous ai parlé du SonoView tout à l'heure. Il semblerait intéressant dans cette étude de combiner en fait les IFU avec le SonoView. Et c'est ce qui a été démontré avec cette étude. Si vous commencez la sonication une minute versus 10 minutes après l'injection de SonoView, vous allez avoir des résultats qui vont être plus intéressants. Et le volume de perfusion la fraction des perfusions est de 59% dans le groupe de sonication avec SonoView que sonication sans SonoView, 59 versus 54. Et surtout, l'énergie utilisée est moindre pour un résultat. Vous voyez, c'est le EEF, c'est le score en fait d'efficacité du traitement sur la dévascularisation. Un EEF qui est très supérieur dans le groupe, enfin, qui est très inférieur, qui montre un bénéfice en réalité dans le groupe A, sonication avec le SonoView. Donc, vous allez avoir une efficacité supérieure avec une utilisation d'énergie inférieure, c'est-à-dire que là, pour le coup, il semblerait qu'on diminue le risque de soucis pour la patiente avec un résultat qui est supérieur. Suivante. Je vous disais qu'on pouvait éventuellement essayer d'optimiser l'efficacité du traitement sur la durée, notamment pour les femmes jeunes qui refusent l'hystérectomie et qui ont une adénomyose sévère et qui n'ont pas de projet de grossesse dans l'immédiat. Il a été démontré qu'on pouvait, et naturellement, puisqu'on fait déjà, après des endométriectomies, combiner des traitements soit par analogue, plus stérilet au niveau norgestrel. Et on voit dans cette étude, là encore chinoise, et vous voyez, à 5 ans, en combinant des analogues avec des injections mensuelles d'analogues, puis un stéréo au norgestrel, des résultats qui sont très, très encourageants. Parce que, vous voyez, on a 80% de résultats tout à fait satisfaisants, réponse complète ou majeure réponse à les dysménorrhées. Et sur les pertes menstruelles 60 mois après le traitement par ultrasons focalisés dans l'adénomyose. Suivante. Qu'en est-il de la fertilité? Alors, la première chose suivante, c'est, bon là, je vous passe le tableau de gauche, mais on a démontré, là encore dans cette étude, une amélioration de la significative des symptômes et de la qualité de vie des patientes. C'est des patients qui étaient relativement âgés, 40 ans, et donc, sur le tableau de droite, on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative du taux d'AMH avant et après traitement par IFU de ces adénomyoses, ce qui est complètement logique. On est à distance des ovaires, on traite le myomètre de façon assez focale, il n'y a aucune raison d'altérer la vascularisation et les ovaires ne sont pas a priori sur les zones de traitement. Donc, c'est complètement logique de ne pas avoir de diminution du taux d'AMH. Et donc, je pense que ce traitement peut naturellement être réalisé chez des femmes plus jeunes. En ce qui concerne le taux de grossesse et les grossesses après IFU sur adénomyose, on a cette série qui est récente, là encore, qui montre donc des patientes qui ont eu un traitement par IFU, 50, des patientes qui ont eu des résections d'adénomyose focale par célioscopie, 43 patientes. On avait, vous voyez, une population qui était tout à fait comparable en âge, en BMI, sur le score des dysménorrhées, les ménorragies, l'hémoglobine préopératoire. Ce qui est intéressant, noter le volume utérin, 179 cm3 contre 148, on n'est pas significatif, mais on n'est pas loin. Donc, on a traité par étude des patients qui avaient des adénomyoses assez diffuses et qui ne sont pas complètement comparables par rapport à ce qui a été retiré en chirurgie. Et puis, les durées d'infertilité qui étaient, vous voyez, complètement comparables. Suivante. Le taux de grossesse, 52% des patientes dans le groupe IFU contre 30%, donc une différence significative en faveur des IFU. C'est intéressant de regarder le taux de grossesse naturelle spontanée, 40% contre 18,6% après chirurgie laparoscopique. Un taux d'accouchement, une fois que les grossesses se sont bien implantées, de non significatif, 30% et 29%. Et de fausse couche, pas de différence significative, 6% contre 2,3%.
Et si on regarde, là, je suis un petit peu surpris, même si on est devant une population chinoise, on est à 33% d'accouchements à voix basse et contre 60% de césariennes dans Coupifu. Et après, la paroscopie, et donc, on a paradoxalement plus d'accouchements par voie basse. Je suis assez surpris de ces résultats, mais c'est des adénomyoses qui étaient beaucoup plus sans focale, donc c'est assez logique. Peut-être qu'il n'y a pas eu de césarienne systématique après ces chirurgies d'adénomyoses de focale. Suivante. Complications, comme pour les fibromes, un taux de complication tout à fait modéré et pas de différence entre la CDO et les IFU. Place après avec 4%, dans le groupe IFU, hémorragie de délivrance 4%, rupture prématurée des membranes 2% et pas de détresse, détresse respiratoire fétale, enfin de souffrance fétale. Suivant. Merci de rester droit sur ta chaise pour que tout le monde puisse bien t'entendre. Quand tu t'approches trop, le son est moins bon. Suivant, ouais. En ce qui concerne les résultats sur la fertilité, là encore, ce qui est intéressant, c'est finalement de regarder les éléments qui ressortent en termes de fertilité. C'est est-ce qu'il y a l'adénomyose focale, est-ce qu'elle est diffuse? Il est clair que les adénomyoses focales ont de meilleurs résultats en termes de fertilité. Et parmi les adénomyoses focales, c'est un élément aussi qui est très intéressant, c'est pourquoi je vous ai mis en haut à droite ce petit dessin, pour que là, sans mémoire, que les adénomyoses focales postérieures ont des résultats qui sont significativement supérieurs en termes de grossesse par rapport aux atteintes antérieures ou fondiques. Suivante. Dernier point, donc ça c'est la machine IFU là, que Hervé vous a montré, les versions diffèrent les unes par rapport aux autres. Et ce qui est très intéressant, ça a été démontré, c'est qu'on peut combiner les traitements par ultrasons focalisés de différentes pathologies gynécologiques. C'est-à-dire qu'on peut évidemment traiter des fibromes et on pourra traiter en parallèle l'adénomyose focale associée ou diffuse. Mais là aussi, et comme l'a montré cette publication, on peut traiter également des lésions endométriosiques pariétales ou pourquoi pas du putain vésico-utérin ou de l'isthme utérin. Donc, on peut combiner avec ces traitements focalisés des traitements de différentes pathologies gynécologiques. Suivante. Donc, en conclusion, j'espère qu'on vous démontre que les IFU sont des techniques qui se développent partout dans le monde, partout en Europe et actuellement pas en France. Les applications sont multiples et je vous invite à vous connecter, c'est le lien direct de la FUS Foundation à Washington, où vous pourrez voir toutes les applications qui sont actuellement en cours de développement dans le monde. C'est le tableau de gauche que vous avez présenté pour la gynécologie. Et il y a pour toutes les applications dans toutes les spécialités. Donc, jetez un coup d'œil pour voir un petit peu le domaine d'application. Et vous voyez ce qui est validé en rouge par la FDA, et en orange, c'est validé, mais ailleurs que la FDA. Donc, en rouge, c'est les fibromes aux États-Unis, mais les fibromes sont validés ailleurs. Les cancers du sein, les fibroadénomes du sein, où nous avons commencé une étude dans le service, les atteintes adénomyosiques, vous voyez, sont validées, et puis l'endométriose rectale, où nous est en cours de validation. C'est les traitements qui sont conservateurs de l'adénomyose, donc c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, notamment, vous l'avez vu, en termes de fertilité, en plus de l'efficacité. Et puis, vous voyez, les IFU dans l'adénomyose, on a quand même 10 ans d'expérience, et alors qu'actuellement, nous n'avons pas beaucoup de traitements à proposer aux patientes conservateurs. Donc, j'espère vous avoir démontré que c'était une technique qui apparaissait sûre, qui apparaissait efficace, et qui était non-invasive en préservant notre fertilité. Je vous remercie. Et dernière diapositive, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à nos amis chinois, le professeur Wang, Rossi, Jackie, et puis toutes les équipes avec lesquelles j'ai eu la chance de collaborer en Chine au cours de nombreux voyages, soit d'enseignement, soit de partenariat. Donc un grand merci et j'espère que malgré les épisodes actuels, nous continuerons nos collaborations actives et efficaces. Et vous voyez, la route de Chongqing n'est pas très très loin, comme vous pouvez le voir en haut au milieu. Merci de votre attention et j'attends bien entendu vos questions. Merci Gilles pour ta présentation. Maintenant, it's a pleasure to welcome David and to share this meeting. It's a very good opportunity for you in France to have your experience. Welcome.
And now I will listen you and I give you the microphone for your talk. Thank you, David, and you can begin. I remember that your slides are in French, and it will be easier for everybody to listen you. Thank you, David. Thank you very much. And it's a great pleasure to join in this webinar and just share with you some of the experience in Oxford. Next slide, please. So we have had a little bit of the history. It has been known for many years. In the 1940s, the Fry brothers used HIFU for treating Parkinson's disease. They had to do a craniotomy, make a hole in the skull to do it, and then they had a huge room full of equipment. And then because the drugs came along, this fell away. And really, HIFU has only been in clinical use for the last 20 years or so. Next slide, please. So we have seen some of explanation of how it works. Of course, with ultrasounds, we normally are interested in the image, but at the focal length, even with ordinary ultrasound, you get a very slight rise in temperature. Next slide, please. And if you put the power up 10,000 times, as we have heard, you can destroy tissue. Next slide, please. And this is just a demonstration of how it works. Essentially, every time you fire it, you get a very small lesion the size of a grain of rice. And just by putting these together, essentially, you can paint out the lesion. Next slide, please. And you have a very fine focus between normal and ablated tissue. The focal length of the machines that we have been talking about is up to about 14 centimeters. Next slide, please. And here you can see the demonstration in a piece of ox liver. Next slide. And here you can see the very fine distinction between live tissue and dead tissue, about 6 cells thick. Next slide. And this is initially what we were, where we were using in Oxford. We had a small room built, so we do not need an operating theater. And we had the JC machine from China, and we housed it there for about 8 years. Next slide, please. Now we are in a new cancer center, and we have a room in the radiology department, and we have this machine, the JC200 machine, in a small room in the radiology department in the Churchill Hospital. Next slide, please. So initially, when we had the machine from China, we were looking at tumors in the liver and the kidney. We had the first machine outside China, so we had to get its CE mark certification for Europe, which we did, and we wrote up our preliminary experience in the British Journal of Cancer. Next slide, please. And it was approved in 2005, the European Community's approval, initially for the treatment of liver and kidney, but then it was expanded to other tumours. And we will talk a little bit about our experience with fibroids. And then very briefly at the end, I will talk about our experience with some other tumours that we have been treating. Next slide. Yeah, thank you. Including some subcutaneous abdominal metastases from colorectal carcinoma. Next slide, please. So this is our experience with treating fibroids. I am
a urological surgeon, not a gynecologist, but I have been in charge of the high intensity focused ultrasound machine in Oxford, and we have been working with our gynecological colleagues. Next slide, please. And this was a paper that we wrote from our experience of just a few patients that we treated in Oxford. Next slide, please. Looking at some early clinical uterine fibroids with a two-year follow-up, just looking at the feasibility of using it in Oxford in the UK. We had 22 patients referred and 12 were treated. We looked at quality of life and severity score and the MRI response and also the safety. Next slide, please. So you can see that the diameter number of fibroids was 14. Occasionally we treated more than one. The largest diameter was 12 centimeters, and 11 were intramural, 3 were submucosal, 10 on the anterior wall, 3 on the posterior wall, 1 on the side wall. Next slide, please. And this was the quality of life, which didn't change very much, but I do not think that's necessarily a terribly good indicator, that particular thing that we were using. But the symptom score showed an improvement and the size showed a marked improvement. Of course, unlike, for example, radiotherapy, HIFU is easily repeatable. So we haven't repeated any of these, but if necessary, one can always repeat the treatments. Next slide, please. So HIFU does cause less morbidity than surgery. The other interesting thing is that with uterine artery embolization, which my radiological colleagues do, often you get quite a lot of pain afterwards because of the necrosis, whereas you do not seem to get that with HIFU, partly because HIFU blocks off the small veins as well as the arteries. So a lot of the time they get very little pain afterwards. It's done under sedation. It's done as a day case. Occasionally we kept them overnight, especially in the early days, but they can be done as a day case. And as I say, you do not need an operating theatre. We just use a radiology room, although we do have an anaesthetist who gives the sedation. Next slide, please. This is a much bigger study that my colleague, although all this work was done in China, my colleague in Oxford was very instrumental in helping to design the study and write it up afterwards. Next slide, please. Here is some examples, as you've probably seen, of the HIFU treatment, where you get this lack of uptake of any blood and destruction. And you can see how it changes from before 2 weeks to 2 years afterwards. Next slide, please. So this was called an ideal study. That is a study which looks at the idea, the developments, the exploration, and then assessment, and then long-term follow-up, which my colleague Peter McCulloch has been devising with others. And this study was done in 20 centers looking at 2,400 people. Next slide, please. So here is the ideal collaboration that Professor McCulloch has been working with, which basically is a way of designing surgical trials in a particular framework. Next slide, please. So the aim of this 20-center study was to look at the effect and the safety of HIFU in relation to hysterectomy
and myomectomy. Next slide, please. Looking at complications, hospital stay, return to normal activities, quality of life, and the need for further treatment. Next slide, please. So we had 1,300 patients treated with HIFU, just under 500 with hysterectomy, and just over 500 with myomectomy. So the quality of life and the symptom scores improved more quickly after HIFU, although at 6 months, the absolute differences were small. In our study in Oxford, in our other HIFU studies, and in this study, the major adverse effects are extremely small. The most important thing is that you have to make sure that bowel is not in the way, because if you put a HIFU beam into bowel, because of the air in the bowel, you will make a hole in bowel. So the most important thing is to keep the bowel out of the way. We have had, if you treat through a scar, you are likely to get a skin burn. And the other complication is that you can get blisters on the skin. In another series, we had one patient who had quite a thick skin burn, but that was partly because he was very obese and partly because the coupling the balloon with the water on the abdomen was not in place properly. So major adverse events with HIFU are extremely low. We've never seen a death from HIFU. The hospital stay was much lower with HIFU. Next slide, please. And as a result of these studies, this was also looking after treatment at the pregnancies. It was interesting because the people who went into this study told the people who were doing the study that they had finished their families, that they were not planning to have any more children. Nevertheless, as you can see, some of them did. There have been many pregnancies after HIFU for fibroids, and in this study it was slightly higher with the HIFU, of course none with the hysterectomy. Next slide, please. So as a result of these studies, we spoke to the National Institute for Clinical Excellence last year, and after quite a lot of discussion, after they looked at all the evidence, I had a lot of discussion with them. They accepted it as a treatment for uterine fibroids in centers which were able to do it. So that was a very great step forward. They had a number of years ago accepted MRI-guided HIFU for fibroids. And of course, the actual treatment is the same. It's just the way in which you look at them, whether from by MRI or by ultrasound. But anyway, we were very pleased that this was accepted by NICE. Next slide, please. This is just showing you the center in China, in Chongqing. They are just moving into this new area. And in the far distance, those high-rise buildings are nothing to do with HIFU. But in the nearer distance, the buildings just below the wording is where the machines are produced and the administration and the research and development areas. Next slide, please. So in terms of reimbursement, well, initially we have done this and most of our research in Oxford as part of a research program. The ones that we have been paid are paid at the moment as the same as a hysterectomy. But after one has bought the machine, the running costs are very low. It's the cost of sedation, the anaesthetist, and servicing the machine, basically. Next slide, please.
So as I say, no treatment and no theatre is needed. In Oxford, we have a room in radiology. So this is not open surgery. It is non-invasive, conscious sedation for fibroids. One of the reasons for that is that sometimes you can just heat up near the sacral plexus. And if they start feeling pain in the leg, then we just move the focus a little bit. Needs a catheter in the bladder. The time is a couple of hours normally. Another thing with the HIFU technology is, like all technology, it is improving all the time, and the treatment will get faster as the technology gets better. Next slide, please. So size is not a particular problem. We have treated 15 centimeter fibroids. You can always give them two treatments if necessary. We have treated more than one fibroid at a time. My colleague, Raymond Stetson in South Africa, who deals with a population of black South African people, often sees very large fibroids and is treating them with HIFU. So scars, as I mentioned earlier, on the abdomen are potentially an issue. That can cause a focus over the scar and cause a burn. Next slide, please. And as I say, complications are very few. We have tried to treat kidney with some success, but the fat around the kidney decreases the effect, and with ribs, access is sometimes a problem. So as I said before, the most important thing is to make sure there is no bowel in the way. So in the last couple of minutes, let me just show you some of the other applications. Next slide, please, and the next one. So this was a renal transplant that had a tumor in it, and we treated 90% of that successfully. We then did a partial nephrectomy on this patient, and 90% of the tumor had been ablated. The advantage, of course, of a renal transplant is that it is put down in the groin, so there are no ribs and there is no fat, so that made the treatment easier. Next one, please. We also have been treating sacral chordomas. These were a couple of large sacral chordomas where the patient was unable to sit without pain, and after treatment, they were able to sit down and became pain-free. We have a national trial in the UK for this. Next slide, please. And we wrote this up in a neurosurgery journal in 2017. Next slide, please. Another interesting area which colleagues of mine have been doing is looking at targeted drug delivery. So what happens is that you put cytotoxic drugs into liposomes, which are a little bit like butter, and they are heat sensitive. So at 37 degrees centigrade, they are stable. At 42 degrees centigrade, they break open. So what you do is you inject these in peripherally into the bloodstream. And then with a slightly non-focused ultrasound beam, you heat up the tumor, for example, in the liver. We've been looking at secondaries from colorectal disease, colorectal metastases. You heat up the tumor. As the liposome with the drugs goes through the tumor, it breaks open and you get targeted drug delivery. And you get about a 9 or 10-fold increase in the drug delivered to that site. We are just starting a trial looking at pancreas. Next slide, please. But this was written up in Lancet Oncology in 2018. Next slide, please. There has been an interesting paper recently, Oncology, looking at the possibility that HIFU can activate and
anti-tumor response. There has not been a lot of work done on that at the moment, but there is a great amount of interest in that. Next slide, please. So we have fortunately had a lot of good support across specialties. We've been looking at fibroids, liver, chordoma, about to start a trial on pancreas and breast. We have treated some skin secondaries with from colorectal metastases safely as well. Next slide, please. And this is an interesting question as to whether COVID will have any effect on the uptake of HIFU, which I think it could well do, because HIFU is totally non-invasive. It does not involve an operating theatre. It does not involve open surgery. It can be done as a day case often, or with a one-night stay, often only needs sedation. And the technology is going to get better and better. Next last slide, please. So we have a big team in Oxford, and I'm very grateful for all their support and help. As indeed the Chinese HIFU Center, where we've had very good collaboration over the last 20 years. Thank you very much indeed. Thank you, David, for your presentation. It's very interesting because you give the true life with this technique, and for us, it's very rich for information. Donc, on va commencer les questions. J'en ai reçu quelques-unes. Les questions concernent beaucoup les conséquences sur la fertilité de l'utilisation des ultrasons focalisés, parce que bien sûr, tout le monde comprend très vite la place que peut représenter les HIFU par rapport à la chirurgie. Peut-être qu'un d'entre vous traduit, je ne sais pas, parce que je vais avoir du mal à lire les questions et à traduire en même temps, ou dire tout en anglais, peu importe. La première question, oui, peut-être, parce que ça me permet de lire en même temps les questions et de ne pas me polariser. Je traduis ce que tu viens de dire, peut-être. Oui. OK, David, so the Hervé was talking, he's receiving the questions by email, and the first questions are about the impact of HIFU on fertility, because everybody understands that it's not an injury for the uterus, and people are very interested by this aspect. So Hervé's going to keep on going. Sure. Well, I mean, there have been many pregnancies afterwards. The British, tell me when, if you want me to stop to translate it. The British Journal of Obstetric and Gynecology, the big 20-center study, there were pregnancies afterwards, even though those people had said before they entered the study that their families were complete. So, and HIFU in China have had many pregnancies after HIFU. I'm not sure whether that is, you know, always the case, but certainly it seems a much more likely, if you want to maintain, to have a pregnancy, it sounds a much safer thing to have HIFU than to have the other treatments. One question. Pardon, je traduis, non? Non, vas-y, vas-y. Donc David Cranston nous dit qu'il y a une publication dans le BJOG de 2020 en Grande-Bretagne sur les grossesses après HIFU. Il dit que dans la cohorte de patientes qui a été enrôlée, il y avait même des patientes qui avaient dit à l'enrôlement qu'elles ne voulaient plus de grossesse et qu'elles étaient enceintes après. Voilà, il y a de nombreuses publications chinoises. Je vous ai montré les chiffres de Jordi Rodriguez tout à l'heure. Donc oui, évidemment, on comprend tous, on est tous des chirurgiens, que de ne pas faire une myomectomie et de ne pas inciser l'utérus va quand même être plutôt favorable à la fertilité. Et David conclut en disant que c'est évidemment un avantage pour les femmes en termes de fertilité que de ne pas avoir de chirurgie, de bénéficier de l'HIFU. Is there a risk of synechia after treatment of uterus by HIFU? Donc le risque de synechie après HIFU.
The risk of synecdoche. Scars. Adhesion between the anterior and the risk of Asherman syndrome. So I'm not sure that I understand that question. Risk of adhesion between the anterior and posterior wall of the uterus after IFU treatment. This is a risk of infertility. Sure. I mean, the answer is I don't know. We've not seen that. I mean, I think that if people have fibroids and want to get pregnant, I guess one tells them that this is the, you know, you cannot promise them. Well, you cannot promise them anyway. But, you know, I am unaware of any evidence of any adhesions. And certainly in China, they have many pictures of HIFU patients with babies. But I guess that one, you know, I guess if one's treating, one has to say potentially it may make them infertile, but I think it is unlikely to do so. And do you recommend to perform a diagnosis hysteroscopy after the procedure to prevent this, to diagnose and to prevent the risk of synecdoche? No, we don't do that normally. But I think, you know, my experience in Oxford has been, you know, I'm not a gynecologist who is sort of treating. You treat and after again. You know, we haven't done that. I'm not sure whether people would do that. You know, I mean, I guess that what you do is you treat them with HIFU and then, you know, let them see whether they get pregnant afterwards. And if they do not, then I guess you then do the infertility examination, which presumably then may include hysteroscopy. Okay. Peut-être un mot pour le non-English speaking. Donc, David Cranston dit que a priori il n'y a pas de recommandation dans les séries publiées pour faire une hystéroscopie systématique et qui serait plutôt favorable chez une patiente qui a un désir de grossesse à traiter le fibrome par IFU et puis voir un petit peu comment les choses se passent et bien sûr ensuite inclure l'hystéroscopie dans le bilan d'infertilité si elle ne devient pas enceinte. J'ai une question pour David qui va un peu dans le même domaine sur l'adénomyose et fertilité. David, in a private discussion, you told me that you do not have experience in the treatment by adenomyosis by IFU. So, what about pregnancy? Why don't you treat these patients? And what do you think there is a special risk for the pregnancies after the treatment of adenomyosis by IFU? Do you think there it will be different? And why you don't treat patients with adenomyosis? You don't have the recruitment? You don't have the patients? No. It's simply in Oxford that we, you know, although we have had some help from the gynecologists, we just have not had the patients, you know, I was very interested in listening to the presentation, and I appreciate that it is a standard treatment, certainly a lot of treatments in China. We would like to treat it in Oxford, but I am dependent on referrals from the gynecologists, and that's part of the reason why it's been quite slow to treat. You know, we've been treating a lot of other conditions. We have trials going in many other areas, but I think fibroids is, in a sense, the at the moment, you know, a very, very good treatment for HIFU. Okay. Purely recruitment. Ok, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il explique qu'en fait, il n'est pas gynécologiste, qu'il dépend des gynécologues pour le recrutement et qu'au vu de la littérature, il semble que ça pourrait être vraiment intéressant de traiter l'adénomyose. Mais il n'a pas, lui, directement le recrutement. Il a pas mal d'études en parallèle dans d'autres domaines, d'autres spécialités.
ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aussi pour développer d'autres projets de traitement et, dans d'autres pathologies. Et les fibromes lui paraissent quand même l'indication idéale du traitement par IFU. Ville, j'avais une question qui concerne les adénomyomes postérieurs, qui serait peut-être une question plus accessible, bien sûr, par IFU que par chirurgie, compte tenu de cette localisation. Est-ce que dans l'analyse de la littérature que tu as fait, il y a des réponses à cette question? Oui, c'est ce que, en tout cas en termes de fertilité, c'est ce que j'ai montré il n'y a pas beaucoup de séries, mais en termes de fertilité, l'adénomyose postérieure, c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est quand même globalement là où finalement chez les femmes jeunes, dans mon expérience, l'adénomyose postérieure est une des formes les plus précoces et les plus sévères de l'adénomyose, parce que c'est celles qui vont se développer après et éventuellement donner des atteintes du torus et des infiltrations digestives. Donc très clairement, l'adénomyose postérieure est probablement une très bonne indication, mais on l'a vu aussi, hein, l'adénomyose diffuse a aussi d'excellents résultats. Je crois que le facteur limitant, c'est vraiment, et à la fois les équipes chinoises et à la fois Jordi Rodriguez, avec qui j'en avais discuté, ce qui les gênait dans le traitement de l'adénomyose, c'était la vascularisation. Et même je me demande si... On a vu dans une étude que j'ai présentée que les Chinois associaient des traitements par analogue. Je me demande si pour diminuer la vascularisation de l'adénomyose, il ne serait pas intéressant de faire une étude, le jour où nous serons tous équipés, d'analogue avant et le traitement de l'adénomyose pour réduire la vascularisation et puis permettre d'augmenter l'efficacité. Vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, en résumé, adénomyose postérieure, très, très intéressant, facile d'accès. Et adénomyose diffuse pourra faciliter le traitement. Probablement, moi, je pense qu'une combinaison de traitements analogue et diffuse serait très intéressant aussi. D'accord. Alors, j'avais une autre question qui concerne les appareils. Est-ce que depuis ces 10 dernières années, il y a une évolution en termes de technique qui a changé les résultats? David, the question is about the device that we can use. There is a modification on technology since the last 10 years with a machine that we can use, and this is in relationship with the modification of result. It hasn't made any difference to the result. I mean, we just have experience with the HIFU machine from Chongqing, and the two machines that we had have been shown in the pictures. So the first one we had was bigger. The second one is more compact, but the effect of these two is the same, I think. And we have not had noticed any difference. I think the technology is getting more compact, it is getting smaller. I think the next development is going to be that the speed will get faster, because what happens at the moment is that you fire it and then you have to wait and then you fire it again. So you may have a patient on the machine for 2 hours. The actual treatment that they're getting may just be 40 minutes. And I think as the treatment speeds up, it will get better. Donc globalement, vas-y, traduis. Donc il dit qu'il y a une évolution des machines essentiellement liée au volume de la machine. Les machines actuelles sont plus compactes dans son expérience depuis plus de 10 ans. Il dit que la prochaine évolution sera une augmentation de la rapidité du tir et que des procédures de 2 heures pourront passer à 40 minutes. Et ça, c'est sûrement un élément important pour l'utilisation en ambulatoire avec peut-être moins d'anesthésie. Enfin, ça reste à prouver, mais sûrement un management plus simple. Et la rentabilité de l'investissement également, puisque bien sûr. Si on peut doubler le nombre de patientes, il y aura moins de questions d'investissement. Alors, j'avais des questions sur, on revient à la fertilité, est-ce qu'il y a un lien
avec l'AMH, mais Gilles, tu avais répondu, je crois, qu'il n'y avait pas de modification. En Voilà, tout cas, sur une petite série, quoi? mais qui a montré effectivement qu'il n'y avait pas de diminution de l'AMH. Et ce n'est pas surprenant parce que la précision du traitement est telle, en tout cas pour ce qui est de la adénomyose, l'utérus, il est parfaitement visible, il n'est pas déformé. À part la vascularisation, je ne vois pas d'obstacle à traiter l'adénomyose. Et donc, on va traiter très précisément des zones focales. On ne va pas toucher la vascularisation périphérique, on ne va pas toucher du tout les anastomoses utéro-ovariennes qui pourraient éventuellement diminuer la vascularisation et donc altérer éventuellement la réserve ovarienne. Donc, et les ovaires, évidemment, sont à distance. Donc, pour ce qui est de l'adénomyose, pas d'obstacle. Et pour les fibromes, c'est pareil. Je ne vois pas comment on pourrait entraîner des complications d'insuffisance ovarienne. Autre question, quel est le risque de récidive des fibromes dans le temps? David, do you have information or about the risk of recurrence of myoma in the time? About 1 year, 2 years, 5 years, I don't know how long follow-up you have. I mean, I think sometimes if it's not treated completely, then you do get slow recurrence. Of the ones that we have had, I think we have retreated one of ours in 2 years, but I think that was slightly higher in the big Chinese series, but certainly over a 2 year period, the recurrence rate was not very high. And, you know, if it does, and sometimes the advantage with fibroid, of course, is that it doesn't necessarily matter if you don't treat the whole thing if you leave a rim around it, whereas of course with cancer you do want to treat the whole thing. But we have not had a high recurrence rate over a 2 year period. We've had a very low recurrence rate. Ceci correspond plus à des fibromes qui ne seraient pas totalement traités, plus qu'une vraie récidive. Et ça, c'est l'élément important et qu'il semblerait que sur ceux qui sont totalement traités, le risque est faible. Dans cet axe, Philippe, par rapport à l'expérience de Jordi Rodriguez à Barcelone, je crois qu'il donne des données sur le risque de reprise, mais peut-être pour traitement incomplet, et le risque de récurrence. Tu peux repréciser ceci? Oui, je voulais juste dire avant de répondre qu'il y a aussi des récidives après myomectomie chirurgicale. Donc, oui, bien sûr. Soit le fibrome qui a été mal détruit par la technique, soit une reprise évolutive de la maladie. Alors, dans la série de Jordi que j'ai sous les yeux, il a effectivement des récurrences qui sont de moins de 15%, tout en sachant, comme je l'avais dit tout à l'heure, que c'est une série sur 10 ans qui inclut 630 patients. Donc, on a l'impression, mais là aussi, il faut avoir un petit peu plus de recul, que c'est quand même très, très intéressant et plutôt favorable si on compare à la littérature chirurgicale. Mais en tout cas, sur ces 15%, on est sur des taux qui sont probablement similaires à ce qu'on observe après une myomectomie chirurgicale correctement faite, Absolument. Aussi bien par la laparoscopie que par la laparotomie d'ailleurs. Puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il est toujours temps de passer à la chirurgie en cas d'échec ou de récidive après IFU. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit David aussi, c'est qu'il ne voit pas d'inconvénient à retraiter. C'est-à-dire qu'il retraite peu parce oui, qu'il fait sûr. Probablement les traitements complets, mais il ne voit pas d'inconvénient à retraiter. C'est-à-dire qu'effectivement, autant une deuxième laparotomie, on le voit très bien, les patientes ne se font pas réopérer après une première myomectomie quand c'est récidive, elles vont choisir l'hystérectomie. Là, c'est 2 heures sur une table ou 1 heure et demie sur une table, pas d'ouverture du ventre, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que retraiter par IFU, c'est pas, pour les patientes, c'est moins pénible et… C'est moins douloureux et les suites sont évidemment plus simples. Donc, je pense que ça, c'est un point aussi extrêmement important dans la discussion. C'est que oui, on peut avoir des rechutes, pas tant que ça, mais en tout cas, il n'y a pas d'obstacle à retraiter. À mon avis, ça, c'est vraiment important. Je vous rappelle que dans la série de Jordi Rodriguez, il y a 19% des patientes à qui il a fait une deuxième séance d'IFU tout de suite après. C'est-à-dire qu'il estime soit que le traitement avait été incomplet, on peut imaginer un très gros fibrome,
soit alors qu'il y avait plusieurs fibromes et qu'il n'avait pas pu tout traiter en une fois. Mais là aussi, c'est ce que dit Gilles, il n'y a aucun problème à remettre la patiente sur une table pendant 1 heure avec une sédation et qu'elle reparte le soir. Alors, une question concerne la détérioration vasculaire amenée par les AIFU. Moi, ma remarque, c'est qu'il y a peut-être détérioration au niveau du volume du fibrome, mais une préservation au niveau probablement de la vascularisation de l'endomètre, parce que s'il y a fertilité après, c'est que cette vascularisation, en fait, elle est préservée dès qu'on est en dehors du champ du tir de l'AIFU. Vous êtes d'accord? Ouais, effectivement, c'est la précision du traitement. Hein. Philippe l'a très bien démontré. On est extrêmement précis. Un tir focal, c'est la taille d'un grain de riz. Donc, c'est vraiment extrêmement. Ça, c'est un tir. Donc, on va répéter les tirs successivement. On commence par la partie la plus profonde. Parce que la cavitation, c'est une espèce de génération de microbules qui sont liées à l'augmentation de la température dans les tissus, va gêner la visualisation de l'endomètre. Donc, si vous commencez, et c'est ce qu'ils font tous, hein, ils commencent par la partie profonde proche de l'endomètre, donc ils vont prendre une petite marge de sécurité de quelques millimètres, et ça dit, si vous prenez 3-4 millimètres par rapport à l'endomètre, il n'y aura pas de danger. On l'a très bien vu pour l'endométriose rectale. Moi, j'étais effrayé à l'idée d'avoir des fistules. Les équipes avec qui j'ai travaillé m'ont dit non, il n'y aura pas de fissure, on a une précision une mesure de précision, on sait combien ça diffuse autour, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que l'endomètre, effectivement, il y a un bon moyen, c'est un moyen très précis de le préserver, et mieux que n'importe quelle technique, probablement. David, one question. What is for you at this moment the respective indication between embolization and AIFU? I mean, my personal view is that HIFU is much better. And part of the problem that we have in Oxford is that I am a urological surgeon, and therefore I have to talk very nicely to all my colleagues to get them to get involved with HIFU. My experience, I mean, we at one stage, and we maybe still are hoping to get a randomized trial looking at uterine artery embolization and myomectomy and HIFU, but I don't know if that will happen. My experience of uterine artery embolization, and I'm sure most of you have much more experience than me, is that they often get a lot of pain afterwards because of the toxic things that come out through the veins and fever and pain, which one doesn't tend to see in HIFU. So my personal opinion on what I've read and what I've heard is that HIFU is much better. Donc, je pense que vous avez compris qu'il considère que l'HIFU est beaucoup mieux parce que c'est globalement moins douloureux. Donc, ceci est un élément sûrement majoritaire d'indication, compte tenu que les résultats semblent globalement similaires, en tout cas pour les patientes qui n'ont pas de désir de grossesse, qui est une partie de nos patientes, bien sûr. J'ai une question pour David sur la fusion entre l'IRM et l'échographie. A question for you, David. For the treatment with IFU, you use ultrasound-guided IFU with GC 200. Do you always use fusion with MRI? So you perform the MRI previous treatment? At the moment, we're not using it. But, you know, I think that would be great if we did. I mean, we do MRIs beforehand and we do MRIs afterwards. But at the moment, we haven't got the technology that's actually fusing them together when we're treating. But obviously, that's coming, and I think that would be very good. Donc, il explique qu'il pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser la fusion, mais qu'actuellement, ils n'ont, semble-t-il, pas le module de fusion sur leur modèle, fusion IRM écho, mais que ce serait un vrai plus pour le traitement. Je disais ça parce qu'effectivement, quand on n'a pas traité, on a l'impression quand même en échographie que les fibromes sont difficiles à voir parfois, surtout quand il y en a un bon nombre avec des aspects échographiques différents. Et le fait de traiter avec simplement un guidage échographique peut paraître parfois un peu délicat.
Donc, c'est la fusion de l'IRM écho faite récemment, faite quelques jours avant le traitement, peut sûrement être une aide pour préciser, aider à bien traiter et choisir les bons fibromes à traiter. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, est intéressant quand même, cette fusion IRM écho, guidage échographique, traitement sous échographie, mais l'IRM réalisé avant pour nous aider à faciliter la précision du traitement. Moi, je voudrais poser une question à David, si c'est possible. Hervé, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Oui. David, I would like to ask you a question because none of us have performed by themselves the procedure. Our Chinese friends always tell us it's between 30 and 40 procedures to get used to the machine and be able to use it. What do you think? What is your experience in Oxford? Ma question était combien il fallait de cas pour être autonome dans l'acquisition du geste pour cette procédure. Okay, sorry, go on. Yeah, sorry. I think that's probably about right. I mean, I think people who we have, I have a radiological colleague who is starting to learn, and he has been an expert in the doing ultrasound anyway. And I think if you have previous expertise in ultrasound, it makes it quicker. I think probably that's right, about 40 cases. And we have a Chinese colleague, Professor Feng Wu, who does a lot of our treatment. And I think China also, for this particular machine, offer training. And I think if you've had, I think once you've done about, 40 or 50, that's probably, fine. And, I think the advantage, of course, of spending a couple of weeks in China is that they have the cases. I mean, you may have the cases in France, but as a non-gynecologist, we've been struggling for cases in Oxford, but I think if there's a lot of cases and you're doing 30, 40 or 50, then you'd be fine after that. Thank you very much. And one thing I wanted to add is, as far as I understood, the Chinese team do train people very properly, and I saw it in Chongqing. There was a call center working 24 hours a day, and anywhere in the world you can call them and they will answer. Yeah. Je disais simplement qu'il y a un accompagnement extrêmement soigneux. Ce qu'a dit David, le mieux, c'est sûrement d'aller en Chine, puisqu'ils ont énormément de cas, c'est la dimension chinoise, donc on peut accélérer les procédures. Mais il a été déjà réalisé, dans certains pays européens, des trainings avec un médecin chinois qui vient 2 mois, 3 mois dans votre centre pour assurer la formation. Et le dernier point que je soulevais, c'était qu'il y a à Chongqing un call center qui fonctionne 24 heures sur 24, c'est-à-dire vous êtes en train de faire une procédure en Argentine et il est 3 heures du matin en Chine, je dis n'importe quoi, quelqu'un va répondre et éventuellement d'ailleurs peut vous guider, puisqu'avec les techniques informatiques, il peut vous dire non mais va plutôt à droite ou je prends la commande, comme on peut prendre la commande d'un ordinateur. Donc c'est vrai que ça c'est extrêmement précieux, puisqu'on bénéficie de l'expérience de gens qui ont 20 ans de pratique derrière. Thank you David, thank you. Bien, moi, j'ai plus de questions qui me sont arrivées. Donc, si vous avez d'autres questions encore, c'est le moment entre nous. Je pense qu'on a tous bien compris la place que peut prendre ce type de technique ou que doit prendre ce type de technique dans le panel élargi des choix thérapeutiques. Et on sera peut-être amené d'ailleurs à vous demander votre soutien le moment venu, s'il fallait, vis-à-vis du ministère, de la CNAM ou de la Haute Autorité de Santé, essayer de militer pour une technique supplémentaire au service des femmes. Le paradoxe, une fois de plus, c'est que c'est les chirurgiens qui essayent de se battre avec nos collègues radiologues pour être le moins agressif possible. Peut-être que le groupement, si les femmes qui ont des fibromes se retrouvent ensemble, peut-être qu'elles pourront militer aussi pour ces thérapeutiques moins invasives. Mais en tout cas, cette
évolution dans la prise en charge du fibrome liée avec cette évolution sociologique de grossesse plus tardive qui fait que la combinaison entre les deux sont plus fréquents, eh bien, va nous amener à développer, ou en tout cas à réfléchir sur ces traitements moins invasifs en succédant à un traitement médical ou en association à un traitement médical. Et peut-être que certains traitements médicaux prendront effet aussi après avoir réalisé ces traitements par les ultrasons focalisés. Philippe, Gilles, David, si vous avez un complément à ajouter pour cette conclusion. Moi, je dirais qu'effectivement, on travaille beaucoup pour cette reconnaissance au niveau de nos instances, que c'est très compliqué. Moi, je n'avais jamais fait ça, je n'imaginais pas combien c'était compliqué et quelles étaient les arcanes administratives. Mais enfin, on est en France, donc tout ça n'est pas très étonnant. Mais on a très bon espoir de déposer le dossier qui nous est demandé, qui est extrêmement complexe, avant la fin du mois de juin, via le CNP. Je remercie Bernard Hédon, qui est son président, et qui a accepté de porter le projet. Et théoriquement, nous devrions avoir une réponse avant la fin de l'année, si tout va bien, si le Covid ne nous empêche pas trop d'avancer. Mais c'est une formidable aventure parce que finalement, après avoir réalisé qu'on avait pris 20 ans de retard, si on arrive à rattraper le retard et à faire bénéficier aux femmes françaises d'une technique non invasive, eh bien, on aura rempli notre rôle de société savante et de chirurgien. Voilà. Moi, j'ai juste à dire que je suis assez optimiste, et ce que je trouve très intéressant, c'est que, et on le voit très bien avec David, c'est qu'il est urologue et qu'il finalement il traite des fibromes. On peut avoir une vision assez transversale de la spécialité, et nous, gynécologues, on est pour le coup vraiment au centre, puisqu'on a le recrutement, on a la technique chirurgicale, on fait les imageries nous-mêmes, souvent enfin, le premier diagnostic en échographie. Donc, je dirais qu'on a une place majeure pour pouvoir et une ouverture d'esprit qui nous permet justement probablement de pouvoir aider au développement de cette technique qui est extrêmement prometteuse pour la gynécologie. Mais vous regardez encore une fois sur le site de la FUS Foundation, les applications sont énormes. Et David l'a très bien dit aussi, regardez ce qui se profile en oncologie, c'est incroyable. Il y a le même essai sur le foie, il y a le même essai qui est fait aux États-Unis sur le sein, avec la délivrance de chimiothérapie au niveau local après IFUS. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je crois qu'on est vraiment, il n'est pas encore trop tard pour prendre le train en marche et derrière développer nos propres applications, nos propres études, nos propres indications. Donc, maintenant, je crois qu'il faut être très optimiste, et je crois qu'on a une très belle fenêtre de tir et ce symposium en l'occurrence nous permet aussi justement de faire connaître la technique à un grand nombre de nos collègues et à des patients, je l'espère. David, one word to conclude. It works, the technology will get better, and COVID may increase the uptake. Tout à fait d'accord. C'est très d'actualité et c'est un élément supplémentaire pour dire qu'il faut être le moins invasif possible. Voilà, nous avons donc partagé ce début de soirée, ou cette fin d'après-midi, je ne sais quoi dire. Vous pouvez, par le replay, revoir ou dire que nous avons pu converser sur cette problématique du fibrome. Donc, vous pourrez revoir, distribuer, informer autour de vous. Et en tout cas, j'espère que dans les mois qui viennent, la Société de chirurgie pelvienne pourra vous dire que nous avons pu obtenir l'implantation dans le plus de régions possible de machines pour pouvoir vous permettre de traiter vos patientes. Merci à tous. Au plaisir de vous voir de visu dans cette période qui commence de déconfinement. À très bientôt. Très bien. Jérôme, c'est bon? Bon, ben, on se dit au revoir. À bientôt. Au revoir, c'est bon. On se dit un petit mot avant?
On se fait un petit débrief, non? Oui. David, you're still here? I'm still here, yes. It's still on live streaming, isn't it? Yeah. No, I don't think so. I hope no. We just wanted to say a last word between us. Just, yeah, sure. I just have it on my thing. It says on custom live streaming service, but maybe it's been stopped. Oh, we have to check. I'm going to check. Wait. Jérôme, tu peux nous dire si on est toujours en ligne ou en streaming ou pas? Je peux l'envoyer. Moi, j'ai envoyé un petit message là. Maybe it has been stopped, but I just have a thing on my screen saying it's still on. Je pense qu'on est encore en ligne là. Je reçois des messages, nous sommes encore en ligne. Bon. Mais on est en ligne. D'accord. OK. So, we're still on streaming. I guess.